Accompagné de certains membres de son gouvernement, dont Madeleine Baird, native de la province, le Premier ministre Julien Koguébé-Kallé a effectué son premier arrêt dans la petite ville de Ndjolé, où l'attendaient des populations parmi lesquelles les sinistrés des dernières pluies. Monsieur le Premier ministre, veuillez être notre interprète auprès du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour lui faire part de la situation que vivent les populations du bord de l'Ogoué en cette saison pluvieuse. Les membres du gouvernement ont pu constater l'ampleur des dégâts et rassurer les populations sur la mise en place d'un plan d'urgence. Situation qui n'est pas le fait des hommes, qui est le fait de la nature. Ces derniers temps, avec les changements climatiques, c'est le gros français. Nous sommes tous là, on ne comprend plus le fonctionnement des saisons. Il pleut tous les jours alors que nous savions qu'il y avait des périodes de pluie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans la nature. Au total, près de 1500 familles ont été affectées par les inondations dans le Moyen-Ogoué. Ici, à Ndjolé comme à Lambaréné, la mission conduite par le Premier ministre gabonais a pu se rendre compte de la situation dont l'urgence, sur instruction du chef de l'État, nécessite une mobilisation du gouvernement.